Le mot du président. Le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des Droits de l'Homme, Maître Maurice Massingo-Tiassi. Nous sommes le 21 octobre 2015. Il y a des policiers, au moins une soixantaine de policiers, qui sont venus dans plusieurs véhicules. Là, ils sont au studio. Ils sont accompagnés par le colonel Ndoudi. Et moi, je suis en haut, en train de filmer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi l'attroupement pratiquement dans le quartier et qui ont été alertés. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a quatre véhicules. Il y a un coaster qui est un peu éloigné, que je ne peux pas filmer. Donc, il y a eu le colonel Bakala qui est passé me voir il y a 2 jours, me demandant de coopérer avec le pouvoir. Il m'a même promis de me remettre une grosse enveloppe de la part du pouvoir. Et j'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le respect du droit. Mais j'ai refusé, il y a eu un autre colonel qui est venu. Et aujourd'hui, on est le 21, pratiquement à 3 jours du référendum constitutionnel. Donc, il n'y a pas à me corrompre. Je pense que c'est ça qui les a amenés à ce qu'ils viennent chercher du matériel avec pratiquement un arsenal militaire et des troupes comme ça. Ça m'inquiète. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour témoigner plus tard. Et je mets ça à l'abri. J'espère que mes enfants trouveront ça. C'était le mot du président, Maître Maurice Massingo-Tiassi. Droit de l'homme.